Jerusalem pour le lancement officiel de la 21e édition de l'Université citoyenne, Jamia al-Muwatana. Alors, pour rappel, l'Université citoyenne, c'est un cycle de séminaires pluridisciplinaires qui est organisé dans 8 villes marocaines, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et Oujda. Ce sont des séminaires sur des thématiques variées, aussi bien économiques, managériales, pensées, sociétés, institutions, vie politique et droits humains, qui sont ouverts totalement gratuitement à tous les citoyens, marocains, non marocains, sans aucun prérequis. Il suffit simplement de s'inscrire sur le site de HEM, hem.ac.ma. Et donc là, c'est vraiment une belle initiative de la Fondation HEM pour le développement de la connaissance et pour, on va dire, favoriser ce qu'on appelle chez nous l'esprit de citoyenneté active et le développement de la connaissance en général. Alors depuis ces 20 dernières années, nous avons eu plus de 40 000 inscrits à l'Université citoyenne et on a donné plus de 5 000 certificats d'auditeur, parce qu'il faut savoir que quand la personne assiste à plus de 80% des séminaires, elle a le droit à un certificat d'auditeur qu'elle reçoit lors d'une cérémonie officielle. Et ça fait très plaisir parfois de voir des gens qui n'ont peut-être même jamais eu aucun diplôme et qui reçoivent ce certificat, dans certains cas pour la première fois de leur vie. Alors la nouveauté de cette année 2018, c'est le lancement avec nos partenaires, le mouvement associatif Les Citoyens, d'un cycle d'université citoyenne spéciale pour les enseignants, et particulièrement les enseignants du secondaire. On parle souvent du système éducatif au Maroc, et on a donc lancé un cycle qui ne vient certainement pas en substitut de ce qui se fait par les autorités et par le gouvernement et par le ministère actuel, mais qui vient tout simplement et modestement en complément pour donner aux enseignants un certain nombre d'outils, d'échanges de best practices, de vécu sur tout ce qui est pratique pédagogique, mais également sur des outils de développement personnel de l'enseignant. Et c'est là vraiment une très belle initiative et une nouveauté pour cette année, et ça aura lieu à Casablanca.